Salut les gens, c'est Naegi, on se retrouve sur Persona avec cette musique toujours aussi magnifique. Et bah écoutez, aujourd'hui on va tourner un petit moyen épisode je pense, du style 30-35 minutes. Et puis bon, si je me sens chaud, on continuera un peu plus. Et dans cet épisode, bah écoutez, on va s'attaquer au palace, hein, enfin. Le palace de Kaneshiro, si je dis pas de bêtises, le boss de la mafia. Qui, bah, comme vous le voyez... prend les gens pour des distributeurs de billets. Et donc voilà, ça banque. Donc écoutez, on va sans plus tarder y aller. Makoto, qu'est-ce que tu nous racontes toi? Allons-y, bah oui, let's go. Allons-y. Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Des gardiens, oui. Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'avais comme l'impression que ça allait arriver. Venez. Non, attends. Ouais, elle est provoquée. Ne le provoque pas. C'est une des clientes de Kaneshiro. J'aimerais parler avec le président de la banque. Veuillez m'excuser, mais est-ce que vous avez un rendez-vous? J'ai besoin de lui parler. Maintenant, laissez-moi passer. Laissez-les passer. Cette voix, c'est Kaneshiro. Tu veux dire qu'une banque a un président? Et ils se font plein d'argent. J'imagine. Attendez s'il vous plaît. Ah non mais c'était musique dès qu'elle démarre, franchement. Bon allez, j'arrête de vous saouler avec la musique. Bref, on continue. La réception est plus loin, sur la droite. Je vous recommande vivement de ne pas aller autre part. Écoutez, pour l'instant, on va... Ouais, bon, là-bas, il y a un gardien. On va aller sur la droite, tout simplement. Par contre, j'ai vu un truc, là, qui me plaît. Ah non, ça me plaît pas, ça. Mais écoutez, on va par là. La réception est juste après cette porte. Là, c'est bizarre. Première fois qu'on se balade dans un palace, tranquillement, j'ai envie de dire. La réception est juste à droite. N'allez nulle part ailleurs. Mais c'est que vous commencez à me donner envie d'aller autre part qu'à la réception. Mais... Bon, on va continuer. Bon, je vous ressoule avec la musique, mais je crois que c'est ma préférée là, pour le moment, du jeu. Enfin, ma musique de palace en tout cas. J'aime bien l'ambiance qu'elle procure. D'ailleurs, j'avais acheté l'édition collector, du coup j'ai l'OST de Persona 5. Je sens que je vais m'éclater avec ça. Bon, ça doit être par là. La réception, c'est la salle de réception. Dépêchez-vous d'aller à l'intérieur. Let's go. Il va y avoir une négociation ou comment ça se passe là? Montagne d'argent. Voyons, voyons. Combien de plats de bœuf je pourrais manger avec tout ça? Entrée non autorisée, dommage sur la propriété d'autrui et autres problèmes. Ça coûtera 3 millions de yens au total. Vous êtes ici concernant cela, n'est-ce pas, mademoiselle la jolie présidente? Ça doit être difficile de réunir autant d'argent. Je serai peut-être en mesure de vous aider un petit peu, vous savez. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? Eh bien, rien du tout. Mais sachez que les intérêts sont de 10% par jour. Ah oui.
10% par jour d'intérêt, ça veut dire que pour une journée, c'est 300 000 yens. Vous n'avez pas besoin de paniquer. J'ai des options un peu plus gérables pour des gens comme vous. C'était votre plan depuis le début, n'est-ce pas? Oui, bah il va nous faire travailler pour lui, quoi. Eh bien, vous êtes impressionnante en déduction. Nijima-san. Ou plutôt devrais-je vous appeler la jeune sœur de la magnifique prosecutor. Alors je suis pas sûr de savoir ce que c'est. Sae Nijima, oh, ça doit être un truc dans la loi ou quelque chose comme ça. Comment est-ce que vous savez ça? Je vous prierai de ne pas sous-estimer notre l'intelligence de notre réseau. Ah là là. Oula, qu'est-ce qu'il raconte là? Quel genre de personne est atterri ici, quoi? Ne soyez pas ridicule. Les jeunes femmes sont vraiment utiles. Il leur manque des capacités physiques et elles sont idiotes. C'est comme si elles existaient uniquement pour être dévorées par les plus forts. Ça doit sans doute être la règle depuis l'aube de l'histoire. Tu es vraiment impardonnable. Alors, le mec est un sexiste, misogyne, arnaqueur. Il commence à cumuler. Tu ferais mieux d'être prêt, Kaneshiro. On va te voler ton trésor. Ne me faites pas rire, bande de sales voleurs. Ma citadelle est sous la plus haute surveillance. N'importe qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Je peux vous voler vos vies aussi facilement que je respire. Attrapez-les. Ah, ça va se fighter. Ah, mais c'est carrément un combat de boss. Enfin, mini-boss, quoi. Ce sont les ordres de Monsieur Kaneshiro. Éliminez-les tous. Est-ce que vous sentez l'éveil du personnage de Makoto, là? Moi, je le sens. Voyons. Je sais jamais c'est quoi leur faiblesse. Ah non, il résiste à ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, ça va faire mal. Ok. Ça passe, tranquille. On est bien. Et bah voilà. Le premier bataillon a été mis à terre. Envoyez des renforts. La cible est encore en vie. Nous devons absolument nous occuper d'eux. Peu importe le prix. Je me disais que c'était un petit peu trop simple. Bon, du coup. Alors non, ça il résiste. On va attaquer comme ça. Hop, hop. Ouais, bon ben... Là pour l'instant c'est pas trop difficile, il suffit de faire des attaques de zone. Et on devrait s'en sortir. Oula!
Et ben voilà, j'ai parlé trop vite. Alors le mieux, ça va être de faire quoi là? J'ai pas de soigneur en plus dans l'équipe. On va quand même ressusciter Anne, parce que s'il y a une troisième vague de mobs, ça va être compliqué. Dans ce cas, on va utiliser un objet, je pense. Est-ce que j'ai de quoi la ressusciter? Oui, c'est bon. Super. On n'a plus trop de vie là. Bon, toi meurs. Anne, elle va s'occuper de soigner Ryuji. Voilà. Et là, alors je sais pas si on va la voir là. Bon, bah ça nous laissera un... Ah mais il est glacé. On va se soigner, on va la jouer safe. Qui c'est qui peut nous soigner? C'est quoi ça? Non. Ah, j'ai pas de healer avec mon personnage. Il faudra que j'en crée, que j'en fusionne. Ouais. Bon bah dans ce cas, on va l'attaquer tout simplement. La cible est bloquée ici, on a besoin de renfort. Ne les laissez pas s'échapper, on doit les avoir. Il me fait un petit peu peur celui-là. Qu'est-ce que... Il n'y a pas de fin. Est-ce qu'ils ont vraiment été recrutés juste avec de l'argent? On va avoir du mal à cette allure. Courons. Ah bah là, 100% l'éveil de Makoto. J'en suis quasiment sûr. On va voir. Pourquoi est-ce que les gardes se sont transformés en monstres? Et qu'est-ce que c'était que ces pouvoirs surnaturels? Est-ce que ça pourrait être les personnages que vous avez mentionnés plus tôt? Est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est le moment de parler de tout ça? On a besoin de s'en aller. Makoto, sois sûr de ne pas te séparer de nous. On se dépêche, Joker. La sortie est juste là-bas. Bon, bah l'éveil pour dans 2 minutes, alors je le prédis. Ou peut-être même pour dans 5 secondes. Oh, il n'y a pas de fin. Les gars. Oh. Vous semblerez être dans une impasse. Comment oses-tu te montrer, Kaneshiro? Ça devrait être mes mots. Cependant, je dois vous remercier de m'avoir apporté d'aussi bons esclaves, en gros, quoi. Enfin, il parle des gens, je pense. Il est temps pour vous de disparaître. S'occuper d'une banque, c'est compliqué. C'est pour ça que je m'occupe personnellement d'une affaire quand il s'agit de tuer des clients fauteurs de troubles. Faire disparaître un petit impertinent est suffisant pour montrer l'exemple ailleurs. Je vais éliminer toutes les personnes autres que ceux qui m'appartiennent, donc Makoto entre. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Cependant, ta sœur est vraiment une beauté. Je m'occuperai personnellement de la faire devenir mon esclave. Une fois que j'en aurai marre, je me contenterai de la vendre. Oh là là, pauvre sœur. Elle aurait pu avoir beaucoup plus de succès si seulement sa jeune sœur n'était pas aussi idiote. Ma sœur n'a rien à voir avec tout ça.
Alors tu ferais mieux de commencer à être ma cliente à partir de demain. Tout ce que tu dois faire, c'est subir et faire ce que je te dis. Subir. Faire ce qu'on me dit. Tu engrangeras 3 millions de yens en rien de temps. Et puis ta vie et tout ce qui va avec va devenir complètement va être complètement ravagé. Je t'ai écouté depuis un petit moment. Mais maintenant ferme-la, espèce de gros porc avide d'argent. Profitons de la scène qui arrive. わ、来て。それなら速やかに契約に移りましょう。我は汝、汝は我。せっかく見つけたあなたの正義、どうかも見失わないで。今日は偽りの自分からの卒業記念日です。なんだ。 Ah ouais, je m'attendais pas à... Enfin, un personnage, à lire un personnage. Est-ce que c'est vraiment un personnage? Enfin, quelque chose d'aussi stylé. Ok. Ah ouais, là, c'est Makoto la rebelle. Bon, c'est un personnage, hein. Johanna. Ouais, ouais, on s'occupe des ennemis, pas de soucis. Bon, pour résumer vite fait la cinématique, pour ceux qui seraient pas à l'aise avec l'anglais, bah elle a éveillé son persona, comme tous les autres, et bah elle a... Bah s'est rebellée contre... contre elle-même, quoi, et voilà. Et elle a attaqué ce... petit troduc, là. Du coup... ouais, vachement stylé le personnage. J'aime bien. Voyons. Ah, c'est particulier. Hein. D'accord, ok. Bah, j'aime bien moi personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Je m'attendais pas à ça pour Makoto. Ok, nickel. Pas physique. Ah, en plus, elle peut soigner. Oh là là, je vais l'adorer elle. Elle augmente la défense pour un allié. Pas mal. Bon, allez, on continue. Ah, mais décidément, toutes les cinématiques dans ce jeu, qu'elles soient animées ou pas, elles sont classe. Hein. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas bon du tout. Ok. Là, il y a plusieurs choix. On va continuer à attaquer. Oh non, il absorbe la glace. C'est pas bon, ça. On va tenter ça. Ok, ça passe. Là, on va se soigner, je pense, plutôt.
J'hésite, hein, parce que si moi je meurs, c'est fin de la partie là. Mais j'ai pas envie que Anne meure d'un certain côté. Remarque. Non, je vais me soigner moi. Si elle meurt, c'est pas si grave. C'est pas si grave, c'est pas si grave. Je le gère facilement sans Anne. Ah, et en plus, le hold up, alors bon. Let's go. Ah, j'aimerais bien voir le hold up de Makoto. On va essayer. On va voir si c'est possible. Bon, Anne est morte, hein. Adieu. Voilà, ouais. Mais c'est pas très... Oh non, pas Makoto. Là, je pourrais le gérer sans... Ah, je vais ressusciter Makoto, j'ai envie de voir... J'ai envie de voir... Ah, mais non. Ah, j'allais faire une bêtise, parce que même si je ressuscitais, pardon, Makoto, je l'aurais tué en utilisant ma capacité. Autant le terminer maintenant. Ah, mais je suis... Oh, l'abruti. Bon, c'est bon, de toute façon. Voilà. Bon, j'ai pas très bien géré le combat, mais bon. Ok, on s'enfuit. Ouais. Pas bien géré, mais on a fait le café, c'est bon. Petit niveau 21 qui fait plaisir. On va avoir accès à de nouvelles fusions. Bah écoutez, super, super. On sait comment y entrer maintenant. Notre objectif est accompli. Mais comment est-ce qu'on sort d'ici? Il y a seulement une sortie, n'est-ce pas? Miss Postaco Apocalyptic Rider. Est-ce que tu veux que je te claque? Je pars devant, suivez-moi. Elle rigole pas. Ok, on a un chemin. Montez. Alors vous allez vous dresser contre moi, peu importe les raisons. Peu importe les conséquences, pardon. Très bien, je vous attends. Il n'y a pas d'échappatoire dans la réalité. Vous ne pourrez pas casser la sécurité comme vous l'avez fait ici. Il n'y a absolument aucune chance pour qu'il y ait un bon futur qui vous attend. Oh, tu vas voir, toi. Parle pas trop vite. Oh là là, vous parlez d'une aventure. C'était pas du Aikido, c'était carrément beaucoup plus hardcore. J'ai tellement pas envie de l'embêter maintenant. J'ai l'impression qu'elle pourrait me déchirer le bras. Mm-hmm. Oh, arrêtez. C'est la chose la plus fatigante que j'ai pu faire depuis ces dernières années. Mais je me sens plutôt bien. J'aurais jamais pensé que je deviendrais... que je ferais partie des voleurs fantômes que je poursuivais. Ma sœur deviendrait folle si elle le savait. Tu l'as mentionné un peu plus tôt. Elle est prosécuteur pour le district et elle enquête sur les voleurs fantômes. Attends, c'est pas mauvais ça? Pas besoin de s'inquiéter. Une enquête normale ne les mènerait jamais à un monde comme celui-là. Encore une fois, ça doit être le destin qui a fait que ça arrive. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas être comme ma sœur. J'avais l'impression qu'il viendrait un moment où on ne pourrait plus se regarder dans les yeux.
Je suis reconnaissante d'avoir une sœur qui travaille si dur, mais j'ai... Par moments, je me sens désolé pour elle. Et après avoir entendu mon persona, la voix de mon persona, j'ai complètement compris comment je me sentais. Il semblerait que tu n'es pas aussi réservé que tu le laisses paraître. Je me contentais de faire ce que les adultes me disaient de faire. Est-ce qu'elle ne serait pas parfaite en tant que conseillère? Elle est sans peur et elle a un esprit tranchant. Ça me semble bon. On a eu besoin de quelqu'un comme elle depuis un moment. Je serais honoré de pouvoir vous aider. Il y avait beaucoup trop de testostérone dans le groupe de toute façon. Alors je me sens beaucoup mieux. C'est de la part de Kaneshiro. Il nous envoie un message pour nous dire, pour nous rappeler qu'on a des dettes. Alors le Kaneshiro de ce monde ne sait pas ce qui s'est passé au palace. C'est vrai. Mais le palace de Kaneshiro sera affecté si sa perception change. On ne peut pas être... on ne peut pas le prendre à la légère. Il semblerait qu'il faudrait mieux éviter tout contact avec lui jusqu'à qu'on ait tout réglé. Il reste 3 semaines. Il a ce système de sécurité aussi. Mais si on s'en débarrasse, eh bien tout ira mieux. On va l'écraser comme une mouche. Je vais être sûr de le faire regretter de m'avoir énervé. Dans tous les cas, commençons notre opération demain. Tout d'abord, on va sécuriser une route pour les trésors comme d'habitude. Vous commencez à vous habituer alors. J'attends un appel pour la réunion. Eh ben... Un nouveau membre dans le groupe, ça fait quand même bien plaisir. Oh là là, les motos sont carrément cool. J'aurais tellement aimé que mon personnage soit comme ça. Le tien est sur un bateau, hein. Mec, tu rigoles? Les motos sont bien plus cool que ces idiots de bateau. Ce serait un petit peu comme une chanson. Je suis un fantôme. Sur un cheval d'acier, je roule. Ne dis pas des choses comme ça. Et pour info, je ne suis certainement pas recherché. Pour être honnête, j'étais plutôt surprise que tu savais comment conduire une moto, Nijima-senpai. Est-ce que tu as un permis? Oui, j'en ai un. Ah, c'est bien. J'ai hâte de pouvoir mettre mes mains dessus. Mets tout ça de côté. Est-ce que ça vous dérange si je change de sujet? Quel est le problème? Je suis désolé, tout le monde. Je sais que je ne suis pas en position de dire ça, mais je dois m'excuser. Ce sont mes actions qui vous ont entraîné dans tout ce merdier. En plus de ça, j'ai mal compris vos intentions. Si seulement j'aurais pu réaliser ce qui est arrivé à Suzui-san. Oh, on n'a pas besoin de parler de ça maintenant. Il semblerait qu'il y a encore des choses qui vous tracassent. Non, ce n'est pas le moment de parler de ce genre de choses. Est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose à propos de Kaneshiro? Il a raison. Très bien, je comprends. Bref, je ferai de mon mieux pour ne pas vous ralentir. Eh bien, et dire qu'on se méfiait d'elle il n'y a pas si longtemps. Mais Ryuji a carrément raison. On a besoin de travailler ensemble pour réussir.
Eh ben, ça a l'air plutôt sympathique, Nijima. Sa vraie facette. Écoutez, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit épisode. Hein. Il est 2h30, non, 3h du matin. Donc je vais arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Hein. C'est un épisode court, mais intense. Donc je pense que ça compensera. Dernière chose. Je vais sans doute faire un let's play dans pas longtemps, une semaine, deux semaines, enfin en début T1, sur les Kingdom Hearts. Alors, c'est pas sûr. Mais en gros, je vais faire les versions remasterisées qui sont sorties sur PS4. Et après, je ferai la version 2.8, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Sinon, si vous connaissez pas, vous devez rien comprendre. Mais donc, je compte tous les faire, donc ça va faire pas mal d'épisodes. Et je vais demander si ça vous intéressait, ou si au contraire... c'était pas trop votre tasse de thé, ce genre de choses. Bon, ça me sert pas à grand chose de le faire si ça ne vous intéresse pas. Et mettons ça de côté. Si vous avez des idées de jeux, en ce moment c'est les soldes. Bah, écoutez, dites-moi, je me ferai un plaisir de les acheter. J'hésitais à faire des visual novels du style Steins Gate et tout ça. Je les ferai sans doute à un moment ou à un autre, mais il faut que je trouve. Enfin, il faut que je trouve le temps de faire tout ça, quoi. Déjà que j'ai du mal à faire Persona tout seul. Et en plus Kingdom Hearts qui va probablement se rajouter dans quelques semaines. Mais enfin bon, on verra bien. J'attends vos avis, vos conseils dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine, c'était Naegi. Ciao tout le monde.